Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu The Gunk live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Peut-être que je peux créer mon propre chemin. D'où viennent les gunks alors? Quand nous récoltons le gaz, il ne reste plus que du gunk. Il ne fait pas exprès de nous nuire, il cherche juste à rétablir l'équilibre. Merde, alors il fait un bordel pas possible, mais il n'est même pas intelligent. Ça ne change pas de ce qui se passe d'habitude. Après, je pense que c'est là qu'il faut aller. Je vais voir ce qu'il y a au bout là-bas. Et c'est comme une station de train, ça. Ah, c'est là qu'il parlait tantôt qu'il fallait réussir à monter. Il est rendu le côté qu'il voulait être. Le pont du jardin. Le gun qui attire ici, il doit y avoir de l'énergie. Passage circulaire, vu de son état, il n'a pas été utilisé depuis des siècles. Le mécanisme de verrouillage semble pouvoir être déclenché par une forte lumière. La porte semble tout de même robuste et la corrosion n'est que superficielle. On pourrait peut-être l'ouvrir. Et voilà. Allez, c'est parti. Le jardin. Je parie que cette ascenseur me permet d'accéder au reste. En général, on met les choses importantes tout en haut, je dois trouver un accès. C'est si parfait. Si j'avais vu cet endroit quand nous sommes arrivés ici, je l'aurais trouvé magnifique, mais là, où est si triste. Harry, Beck, vous êtes là? Are you there? That seems promising.
Faut juste trouver le moyen de monter. Ok, ouais. Cet endroit est une mine d'énergie, c'est immense. Attends. Toutes les autres mines devaient être liées à celle-ci et Beck deviendrait folle en voyant ça. Pas moi, Beck. Quoi? Tout va bien? J'ai vu ma meilleure vie. Ça y est, tu as fini? Beck, est-ce qu'on ne peut pas s'occuper, Rani? Ne me fais pas perdre mon temps. C'est tête de mule. Quelque chose qui va pas, hein. On change d'attitude. Hey Rani, ouais. Je ne trouve plus la clé de molette. Où est-ce que tu l'as rangée? Je pensais que tu ne voulais plus me parler. On ne peut perdre de temps. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est pourtant ce que tu as dit. Tu me fais perdre mon temps, tu me fais perdre du temps, des ressources. Je ne reviens pas que tu sois parti en croisade sans même me demander mon avis. Nous sommes censés être une équipe. Comment quand tu pourrais être une équipe, tu ne me fais pas confiance. Je ne peux pas te faire confiance. Je ne suis jamais le plan. Nous ne sommes pas venus ici pour une mission de sauvetage, nous sommes venus ici pour survivre. Pour réparer le pot cassé, mais tu continues de t'en faire qu'à ta tête. Voilà pourquoi tu ne vois jamais plus loin que ton bout de ton nez. Et tu n'écoutes pas quand je te parle. C'est pas vrai, mais encore nos problèmes. Ben, je t'entends mal. Si tu ne m'entends pas, alors je vais... Beck. Merde.
Dome de guys. Wow. Ouais, ça m'a fait there du gunk. Sure is a lot of gunk out there. Imagine c'est un boss. All right, pumpkin. Allez poupette, on va les sortir de là. Le jardinier. J'aurais dû me douter que tu serais humaine aussi. Ce n'était qu'une question de temps avant que vous débarquiez ici pour tout gâcher. Vous saccadez la galaxie en toute impunité. Ça suffit, libérez-les. Et je les libère, voilà qui est un typique des humains, je ne suis pas leur geôlier, je suis leur protecteur. Vous avez bien vu ce qui se passe? Oh non, vous devez arrêter. Silence, vous avez saccagé votre propre planète. Les ours, venir ici pour faire la morale? Grâce aux guys, nous sommes éternels. Ils ne méritent pas que je vous adresse la parole. Tu as l'air vide, je dois pouvoir... Pas ça. Pas ça. Il est parti, tout rentrait dans l'ordre quand tu aurais éliminé. Quand je t'aurais éliminé le parasite. Il y avait quelque chose de plus intéressant à faire là. Les créateurs ont manqué un peu d'imagination. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Merde, mon masque est cassé. Je n'aurais peut-être pas dû passer par là. Beck, réponds s'il te plaît, Beck. On est seul au monde, poupette.
Beck, oh non, j'espère qu'elle va bien. Je dois retourner aussi. Oh non. Je dois réparer mon équipement. Vive la lune, peut-être. Quoi ça? En général, les gongs s'agitent comme ça autour de tuyau plein d'énergie. C'est comme si je pouvais me repérer lorsque je porte un masque. Dès que la radio sera à nouveau en état de marche, elle me répondra, poupette. Et voilà que tu me remets à parler tout seul. Mais pas le choix, je dois continuer. Quoi, qu'est-ce que je pensais, idiote? Jardin est bien trop puissant. Comment est-ce que je pourrais gagner? Je ne suis pas en état de me battre. Dust Bunny, non, 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 reste calme, Ronnie. Keep calm, Ronnie. It could have been anything. C'est peut-être un comète ou juste un reflet. Beck ne m'aurait pas fait ça. Oui. Non, je suis en train de jouer, je suis occupé, pourquoi? Ok, j'irai plus tard, on reprend une marche. Okay. Good. Ben, plus tard, avant le souper, là. Avant le souper, peut-être. Ouais, mais t'es gelé, t'as duré 5 minutes, hier. Je crée ça. Et bye. Voilà ce qui nous attend. Nous serons couverts par le gunk. De quoi, poupette? On aurait dû rentrer directement à la maison. Beck doit en avoir marre de réparer les pots cassés, comme la fois où j'ai craché la navette de transport et qu'on l'a accusée de ma place. Ou quand elle m'a veillé toute la nuit après que j'ai perdu mon bras. Ouais, je serais encore en train de bosser dans une mine. Après, ça m'arrive. J'ai un téléphone. Pourquoi j'ai pas appuyé pause?
chaque côté. J'imagine que ça doit bien mener quelque part, vers une autre mine ou vers le jardin. Au moins, je continue. À moins, je continue. Beck. Henry, vous m'entendez? J'espère qu'il y a quelque chose ici. Maintenant, je suis désolé, tu es dans un sale état. Alors, c'est comme ça que tout se termine? Tout le monde meurt. Garde tes forces. Le jardin doit être arrêté. J'ai essayé, mais j'ai échoué. Je n'étais pas assez fort. Personne ne peut le vaincre tant que le gars est cool. Mais je connais un moyen. Et on coupe les machines dans un puits central de la mine. Il y a des commandes. La pièce avec les faisceaux rouges géants que j'ai vu, mais je ne peux pas y retourner. Si tu éteins ce faisceau, le jardinier sera vulnérable. Tu dois essayer. Si l'équilibre n'est pas ramené, notre monde périra pour toujours. Oh, je suis si fatigué. Oh non, ne me laisse pas. Ah Beck, où es-tu? Peut-être que je peux faire fonctionner la radio si je grimpe là-haut. Beck, tu m'entends? Beck? Beck? Beck, s'il te plaît, réponds-moi. Je n'en peux plus, j'abandonne. Je suis vraiment désolé, Beck. Et le vaisseau va arriver. Ici, les moteurs, Harry. Kurt, éloigne. Rani. Je pensais, j'ai cru que tu étais parti.
On a voté et le résultat a été 2 contre 1, donc on est parti à ta recherche. J'ai vraiment été con, Beck. J'aurais dû t'écouter. C'est rien, Rani. Il y a des choses que je ne t'ai pas dites. On a du retard dans nos paiements. Et pas mal. On pourrait perdre Bunny. La situation est partie en cacahuète, Beck. Je voulais juste partir à l'aventure. Je ne voulais pas tout gâcher. Ouais. Tu sais, on a ratissé cette planète pourrie pour te trouver, toute cette désolation. Écoute, je m'inquiète pour Bunny, mais... Tu as raison, on ne peut pas laisser cette planète pour mourir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, je crois, on doit retourner dans le jardin et descendre dans le puits central. Le problème, c'est que je ne sais pas si je pourrais remonter. D'accord, remets Bunny en forme, ça va prendre du temps, il y a des drones partout. Par devant et trouve-moi un chemin sûr, je te répatrierai. Tu pourrais venir avec moi tout de suite? Avec ces chaussures? D'accord, d'accord. On aurait dû t'acheter des bottes avant de partir. Ne dis pas du mal de mes crocs. Elles sont parfaites, mais pas très prêtées. Et Rani, je suis content qu'on se soit réconcilié. J'étais si inquiet de te savoir tout seul. Merci. Henry m'a raconté qu'avant, cette planète était recouverte d'une jungle exuante. Tu l'aurais adoré. Ça devrait être merveilleux, Beck. À partir de maintenant, on se serre les coudes. Heureusement que j'ai installé la balise dans la vieille ville. À table. Merci de m'avoir aidé, t'es meilleur. Quand je vois la désolation qui règne sur ma planète, j'ai le cœur lourd. Elle était déterminée à retrouver. Merci, ça me fait plaisir de t'entendre. Je suis désolé de ne pas avoir trouvé la tienne. Je ne sais même pas s'en est combien d'entre nous ont péri dans cette mine pour extraire la vie, même de la planète. Le jardin ne nous laissera. Il y a encore de la vie dehors. J'ai trouvé ces petites poches de résistance. Il nous reste une dernière chance de sauver ce monde. Hey Rami, je sais que ça ne sera plus comme avant après tout ça. Je sais que tu veux être plus impliqué dans les prises de décision. Et quand on aurait fini ici, on aurait du temps pour rêver.
Trouve un autre passage, j'ai besoin de mon masque. Eh? Impossible de faire demi-tour. Sur un chemin, Bex. J'espère qu'elle est en route. Non, c'est pas ça. On a plein de dons, est-ce que c'est ici?
Voilà. Ça mêle un peu. Beck. Mon ami est encore en train de réparer le vaisseau. As-tu trouvé? Je suis presque. Bien, je préfère te prévenir. Quand le vaisseau sera éteint, le gong va s'en donner à cœur joie. Ce n'est pas une nouvelle très jouissante. Une nouvelle, ce n'est pas une nouvelle, c'est un fait. C'est une expression à rire. Un peu comme... Laisse tomber, merci, l'avertissement. Donc, il m'a donné la carte d'accès. Bingo! I'm in, Beck, je suis entré, je ne sais plus quel est le truc. C'est la meilleure. Ça semble un bon point de départ. Et les trois. Mais les faisceaux sont éteints. Et voilà le gunk. Comme Henry l'avait prédit. Tu vas aller où maintenant? Je pense qu'ici je peux retrouver l'ascenseur. Où on était au début. Une console active, pas très utile, mais elle semble liée au contrôle du climat. Damn it. Oh merde, c'est bloqué. Au travail, poupette.
gunk up this place. C'est ailleurs comme ça. C'est vraiment ce que j'avais besoin, mais je ne peux pas l'atteindre. Pas à bonne place, je pense. J'étais là, on était là. Il n'en venait rien à faire, là, mais au moins vous étiez en sécurité. Jusqu'à ce que le gunk rentre, je vais nettoyer ça. Quand je peux. Quelque chose que je vois pas là.
Exactement. Ok, ouais. Ok. Bon, c'est du temps, et me voilà. Il faut vraiment chaud sur les champignons. Pas étonnant que ces endroits s'appellent jardin. Et voilà. Thank you.
Bon. Quelque chose qui va pas, on continue ce doigt pour voir. Ah, faut le faire. Je viens de comprendre. Yo, Caribou! C'est quoi, The Gung? Salut! C'est un jeu que c'est des explorateurs qui vont sur une planète puis ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui va pas. Le gun comme une sorte de pollution. Là. Oh, ça va-tu marcher? Non. Midi 47. C'est comme ça, faut que je le fais, mais de l'autre sens. Et voilà! On est rendu à la toute fin là. Il devrait rester peut-être 15, 20, 30 minutes max. C'est un grand temps de planter des graines. J'essaie de faire des lives le jour aussi maintenant là, mais... Ça, c'était inutile que j'ai fait là. Ouais, je joue pas mal sur Apex souvent. Je joue à tous les jours. J'ai pas joué encore, mais je vais jouer tantôt. Beau geste. Apparemment, il jouait, mais j'ai terminé le jeu-ci. Toi, tu joues à quoi? Je fais du rank, principalement.
Ben oui, je comprends tous les mots français, pourquoi? Putain, je sais plus où aller. Ah, FIFA, Tout le monde savait. Au début, tout le monde disait que c'était le meilleur FIFA à vie. C'est parti. On arrive vers la fin. Finalement. J'ai encore du bricolage à faire. Je fais aussi vite que je peux. Merde, c'est bouché. T'as le Xbox Game Pass? Hier, j'avais 20 frappes, le mec. 4 tirs m'a battu de 1. Ouais, mais des fois, les tirs de qualité, ça m'arrivait, moi. Un tir, un but. Le gars avait 10 tirs, moi j'en avais 1. Le tir de cadré, victoire. Un tir de qualité. Les tirs où tu sais que tu vas marquer automatiquement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pas vu là? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi ça fonctionne pas là? Ah ici! Et voilà! Ben, je sais pas. Un, j'aime pas les manettes. Deux, j'ai toujours été Xbox avant. Je peux que m'avancer avec ça. Faut pas l'intérêt de jouer sur PlayStation. Je suppose que je vais devoir faire un détour avant de pouvoir continuer. Et voilà. Non. Un joueur de console. C'est reparti. Qu'est-ce qui se passe? Tu blagues, tabarnak? Ok, là. Toi ta tête. Y'a plus de coco. Je sais pas, moi je suis pas trop joueur de clavier. Non, ça m'intéresse zéro. Qu'est-ce qui se passe?
Voilà. Ah ouais, ok. Oh, ça tourne pas. Là pour ben, le dernier repas de la journée, ouais, c'est le souper. Hein. Et là, à midi, c'est le dîner. C'est supposé tourner, j'imagine. Là, ça tourne pas, là. Ouch. Qu'est-ce que je vois pas? Ah! Mais là, comment je suis supposé faire? Bon, on y va. Je dois être prudente. On s'approche de la fin. J'aurais mieux de ne pas me faire injecter de cette plateforme. Ouch. Bon. Merde, il est sur moi. Niaise là. Bah, il n'y en a plus.
Bon. Si je restais ici, je suis foutu. Bon. Et voilà. Change rien. Ah, moi que. Et ouais, je comprends. Voilà. Je suis une génie. Je suis un caribou canadien. C'est là le Capone.
encore. Et voilà. Oh, une porte. Il y a une tonne de gang, il a l'air de vénérer, j'aurais dû prendre mon masque. D'accord, on y va. Allez. Je vois que tu te piétines. Tu es pire qu'une mauvaise herbe. Les efforts sont vains. Tour rentrera dans l'ordre quand j'en aurai fini avec toi. Je ne dis pas que je sais tout, mon espèce a échoué, mais vous ne valez pas mieux que nous. Tu ne comprends donc pas, sans moi, nous serions tous déjà morts. Je suis le gardien de mon peuple, tu essaies de nous détruire, de tout détruire. Écoute-moi, cette planète va mourir, ainsi que tous ses habitants si on ne fait rien. Tu dois pouvoir trouver une solution, on doit. Ma voix est la seule qui doit être empruntée. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous affronter une nouvelle fois. Je vais t'éliminer une bonne fois pour toutes, humain. Je ne peux pas affronter cette tête baissée. Peut-être que je peux utiliser un gunk à l'extérieur. Non. Oh non, ça marche pas. Oh. C'est bon, Annie, on arrive. On dégage bien cette bonne vieille technique à foncer. Rani, oublie pas, attrape. Mon masque, tu l'as réparé. Tu peux le faire. Tu peux le faire, ça y est, ces machines sont vulnérables.
pense que je sais quoi faire. Je pense que c'est ici, là. Il peut casser la vitre maintenant. Non, pas là. Pourquoi c'est... je suis pris là? Et j'enlève le gun qui est dedans. Faut que je tire dessus. Ah! Ça a marché. Le champ de force du jardinier s'affaiblit et continue. Il y en a d'autres. Nourri de gaz. Casse au câble. La branche de la force des actives. Petite créature, comment oses-tu? Blague toi là. J'étais l'intendant de mon peuple pendant des décennies, du misérable. C'est pas un misérable qui va venir te scraper ça. Plus qu'un. Voilà.
Je pense qu'il m'a bugué. Ah, il m'a bugué. Non, il m'a bugué. Il a réussi à m'envoyer, si. Je peux pas croire. Parce que je suis obligé de... Oh putain! À deux points de l'avoir. Zut, de zut, de zut, ça va me faire commencer loin. Oh, ça me fait tout recommencer du début. Plus d'une heure et quart de jeu. Une heure et demie de jeu. Oh non, ok, non. Bon, ok, c'est juste ça. Heureusement, j'ai eu peur.
Allez. Non, c'est impossible. C'est impossible. Le temps va finir. Oui. Non, nous sommes perdus. Le jardin est détruit. Il n'y a plus d'or, seulement la nature. Et la nature est si mauvaise que ça? Tout va bien, Rani? Ça va, on doit évacuer tout le monde maintenant. Merci beaucoup. Compris, je vais rapprocher Bonnie. J'espère qu'on pourra décoller. Tu es la personne la plus ingénieuse que je connaisse, on va s'en sortir. Allez, au travail. Vous avez terminé le jeu. Tout le monde a nettoyé le gunk. Ils ont replanté des plants. Salut Jedi, ça va? Salut Mitsun. Chez Frites. Et maintenant, on fait quoi? Efface toutes les données de localisation du journal de bord. Il ne faut pas que l'école blanche trouve cet endroit. On va nous poser beaucoup de questions pour savoir où on était pendant tout ce temps. C'est pas la première fois qu'on va mentir, on trouvera des bâtards. On pourrait dire qu'une interférence quantique fantôme a effacé les données de navigation. Et que nous n'avons pas réussi à les récupérer. Une interférence quantique fantôme, c'est quoi? J'en sais rien, mais c'est la classe. D'accord. Donc on était en train de changer du titane, du chargé de titane sur célèbre Luna. Mais la glace était trop épaisse, le froid a détruit nos disques durs. Ça aurait pu marcher si célèbre Luna n'appartenait pas à Stellar Enterprise. Non, sang, ils sont partout. Alors on pourrait dire qu'on a perdu notre cargaison dans une ceinture d'astéroïdes et qu'on a dû rendre des pièces au vaisseau pour entrer. Redonne. On était sur la face inhabitable de Mars, une tempête de sable a détruit nos disques durs. Nous sommes victimes d'un empoisonnement qui a réussi à réduire nos capacités cognitives à 50%. Nous ne pouvons donc pas être tenus responsables de nos actes. Pas mal, si nous faisons passer des examens, ils verront que tu as au moins une neurone de la moyenne. Mais ils découvriront aussi que mes capacités sont bien supérieures à celles. D'accord, j'abandonne, tu as qu'à trouver un message toi-même. Tu m'as convaincu d'atterrir sur une planète merdique. Ça marche. Tu as passé ta journée à cavaler dans les cailloux pour trouver un trésor imaginaire. On est tombé sur une nouvelle civilisation, donc... Pour pouvoir décoller, j'ai dû nous débarrasser de tout le matos superflu.
et réussi à nous ramener à la maison en utilisant une vieille carte spatiale. Pour nous remercier, tu as promis d'écrire tous les jours des poèmes à la gloire de la petite personne. Pas mal. On oublie la partie des poèmes, personne ne va te croire. C'est vrai. Et si on faisait semblant d'être amnésique? La seule chose qu'on en souvient, c'est du gaz verdâtre dont on envahit les cockpits. Et comment on justifie le journal d'abord disparu? Le gaz a effacé les données. Le trajet va être lent. On rajoute ce jeu dans la liste. Les jeux terminés. The Gunk. Merci d'avoir joué à The Gunk Live, la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah!